les potes, c'est ce putain de ninja. Ah, le Japon. Mon pays, chez moi, quoi. Oh, comme on dit là-bas, Korea Watashi. Enfin ouais, bref. Aujourd'hui, on joue à Way of the Samurai, un jeu qui te met dans la peau d'un samouraï sans maître et rend de ville en ville pour protéger la veuve, l'orphelin et tous les autres bipèdes. Et couvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors déjà, on va changer ce nom. Kenji, c'est pas un nom de samouraï, ça. Voyons voir. Un nom qui inspire le respect, la force, mais aussi la tendresse. Un nom doux comme un cerisier au printemps et puissant comme l'acier d'un sabre. Patrick. Ouais. Alors, donnons-lui un visage. Ok, pas besoin de chercher plus loin. Et des fringues. Ouais, genre je vais me balader avec une cible dans le dos. Ben voilà, nickel ça. Je crois qu'on est bon. Je te souhaite la bienvenue, Patrick. Pour commencer, je vais t'expliquer rapidement les opérations de base. Mais qu'est-ce que... Cette musique... Elle me donne envie de... De danser! Eh merde, du coup j'ai rien écouté de ce qu'elle disait. As-tu tout compris jusqu'ici? Oui, non, peut-être, Je vais répondre, ça me paraît plus sûr. Que se passe-t-il? Tu as du mal à suivre? Oh bordel, je veux juste jouer moi! Je vais dire non! Bon, alors je vais répéter. Quoi? Ah! Ok, j'ai réussi à couper le tuto. De toute façon, ça doit pas être bien compliqué. Ah, regardez comme il est beau. Il a l'œil pétillant. Alors, ok, courir, ouais, sauter. Pff, ça va, je maîtrise déjà. Oh putain, j'ai un saut, les gars, j'ai un saut! Allez, viens, saut. Partons vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui se trame ici? Au secours! Hors de mon chemin! Ah, Patrick, c'est un défenseur des innocents. On va répondre. Elle n'a pas l'air de vous apprécier beaucoup. Ouais, c'est aussi un mec poli. Affronte-nous et tu mourras. Ça reste à démontrer. Tu es courageux. Eh ben ouais. Oh, le con! Mon seau! Ah putain, comment on dégaine son sabre? Pourquoi j'ai pas suivi le tuto, moi? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, vous allez voir de... Oh, merde. Ah putain, non mais attends, c'est parce que je suis pas prêt là! Faible! Ouais, mais c'est parce que tu m'as pris par surprise aussi, enfoiré là! Allez, viens, 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 on fait la revanche, allez! Hein? Ah, putain, la journée de merde encore. Oh, comment je vais me sortir de là, moi? Tiens! Kicho, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Eh quoi, ça se voit pas? J'auditionne pour le prochain 50 Shades of Grey. Je vois. C'est une belle journée pour se retrouver ligoté sur la voie. Désolé de t'avoir dérangé, amuse-toi bien. Oh, 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 attends mec, je déconne. Si tu te joins à nous, je t'aiderai. Ouais, 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 tout ce que tu veux, gloire à Rel, Jéhovah, toutes les tribus, pas de soucis. Bon, tu me détaches maintenant. Je suis Kicho, chef du clan Akadama, et voici mon associé. Je m'appelle Chelsea, comment ça va? Es-tu étrangère? Oui, je suis anglaise. Au fait, sais-tu ce qui se passe au col de Rakotsu? Oh, rien à foutre. Ah, sale pouilleux! Je t'emmerde, la British! Alors, y'a quoi ici? Salut! Oh! Alors, c'est quoi cet endroit? C'est la fonderie d'acier Araya Chiki. Elle appartient à la famille Kuru. Veux-tu connaître l'histoire de cette fonderie? Nope! Tenter ou pas tenter? Ah, YOLO! J'espère que personne n'a vu ça. Je m'emmerde. Ah tiens, regardez qui voilà. Tu es... Eh ouais, c'est moi. Merci beaucoup de m'avoir sauvé tout à l'heure. Ouais, ouais, si on pouvait ne plus en parler, ce serait cool. Laisse-moi aussi te remercier. Peut-être puis-je t'offrir à manger. Quand c'est gratos, moi, je refuse jamais. Il n'y en a pas pour longtemps. Si tu veux bien patienter ici... Suzu, Suzu, j'ai mal au dos, j'ai besoin d'un massage. De qui est-ce la voix? De qui est-ce la voix? Ouais, bon, Patrick, c'est un samouraï, hein, pas un prof de littérature. C'est mon grand-père.
Alors, c'est bon. C'est gratuit. Merci beaucoup. Excuse-moi, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom est Don Donatellos, mais les gens m'appellent Donadonna. Je sais pas ce qui est le pire entre ton nom et ton surnom, mec. J'ai juré de suivre la voie du samouraï. J'ai l'intention de passer le reste de ma vie dans ce pays. Tu es un peu excentrique. Tu as peut-être raison. Est-ce que ton nom est Patrick? C'est le nom que j'ai demandé à ma mère de choisir à ma naissance. Suis-tu aussi la voie du samouraï? Évidemment. Je suis heureux d'entendre que tu penses ainsi. Hé, hey, mort pas gratos! Allez, dégage! Vous autres imbéciles, vous n'écoutez jamais la voix de la raison. Je vous ai dit mille fois de partir. Tu es Sotchiro Shiritoko de la famille Kuro. Ok, vas-y, ils ont niqué mon repas gratos, ça me vénère ça. Viens la tabourer. Dégage! Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi, t'es sourd en plus d'être moche? Shiritoko, nous allons nous occuper de ce crétin. Parfait, mais dépêchez-vous. Ah non, je vais pas encore me faire ma voix. Qu'est-ce que... Ah, pousse-toi, le vieux! Hein? Permets à Suzu de m'épouser. Pas question. J'en ai assez d'attendre. Je vais m'en occuper moi-même. Je suis une jolie grenouille. Attends, quoi? Oh, merde! Ok, vite, faire distraction. Tu as de drôles de cheveux. Je ne te le pardonnerai jamais. Yeah! Quoi? C'est une fine lame. Si tu le souhaites, tu peux rejoindre la famille Kuro. Non, j'aime pas ta gueule. Tu ne changeras pas d'avis. Je vais me retirer maintenant. Mais la prochaine fois, tu mourras. Ouais, genre. Merci beaucoup. S'il a vaincu Shiritoko, c'est qu'il est très fort. Ce n'était pas un adversaire très sérieux. Quelle confiance! Veux-tu nous aider à défendre... Non, ta gueule. Les belles de jour me font penser à toi quand je mange. Non, ce n'est pas bon. Oh, Patrick, tu veux quelque chose? Salut, copain, tu fais quoi? J'essaye d'écrire un haïku pour déclarer mon amour à une dame. Mais tu es japonais, tu devrais pouvoir m'apporter ton aide. Bah, c'est clair, je suis un grand poète, moi. Vas-y, fais péter. Prêt? Sur une rivière automnale, je partage avec toi... une omeletterie. Eh bien, tu m'as l'air aussi nul que moi en poésie. C'est toi qui comprends rien à l'amour, mon gars. Tu sais combien j'en ai emballé avec mes omeletteries? Va-t'en. Eh bah, vas-y, je t'emmerde au pire. Espèce de taré bipolaire. Putain, il m'a donné faim, ce con, avec ses histoires d'haïku. Cool, des radis géants. Bon, allez, j'en ai marre de ce village de Pekno. Au Fiderfen, les nèves. Oh oh. Ça pique un peu. Ah, Patrick, tu arrives à point nommé. Salut, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Nous allons bientôt lancer l'offensive sur la famille Kuro. Ah bah, chouette, accorde-moi ton aide. Je suis avec toi à fond, copain. Puis surtout, je sais pas quoi foutre d'autre, alors... Bien, allons espionner la résidence Kuro avant d'attaquer leur fonderie. On ne devrait pas plutôt espionner la fonderie dans ce cas. Suis-moi, Patrick. La résidence est juste devant. On en profite pour faire un peu de tapage. J'ai cru que tu ne demanderais jamais. T'inquiète, j'ai emmené tous mes pétards. Je me demande ce qu'il fait là. Ouais, moi aussi, je me demande bien. C'est qui, en fait? Suis-moi, Patrick, et ne fais pas de bruit. T'inquiète, je suis un pro, Hitman. Oh putain, mes pétards! Ton plan a fonctionné? Pas encore, Kicho n'est pas facile à manipuler. Même si j'essaie de l'inciter à prendre le contrôle du col de Rakotsu en vitesse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, toi non plus, tu comprends rien. Oh, salut! Yuga, pourquoi es-tu en contact avec un agent du gouvernement? Ne comprends-tu donc pas? Tu travailles pour le gouvernement!
Tout stupide que tu as parfois des éclairs de génie. Éclairs de génie. Misérable traître. Ah. Oh, putain des ninjas. Maintenant que tu sais que tu es un crétin, tu peux mourir. Bon bah, ninja. Tcha, tcha, tcha. Allez, une saignée. Paraît que c'est bon pour la santé. Arrête de faire le mariole. Ah, je ne pensais pas mourir ici. Si je meurs, tu mourras avec moi. Oh non, recule. Hein, quoi? La bataille avec la famille Kourou est remise à plus tard. Nous devons d'abord arrêter le gouvernement. Patrick, retourne au manoir et parle à tout le monde. Je... fais régler mes comptes avec mon père. Saoul me poule, j'y fonce. Ouh, champignon. Allez, viens là, toi. Mon fils insensé, que viens-tu faire ici? Hé, hey, je ne suis pas fou. Père, le gouvernement veut s'emparer du col de Rakotsu. Quoi? Que veux-tu dire? Le samouraï qui m'a suggéré de prendre le col de Rakotsu s'est révélé être un espion du gouvernement. Ce n'est pas possible! Père! Et alors je réponds, une omeletterie. Ah, salut Kitchenette, ça va? Tout le monde est prêt. Les forces du gouvernement seront bientôt là. Nous devons frapper les premiers. Ouais, baston! Ils arrivent! J'y vais le premier. Restez sur vos gardes. Crevez tous, salauds impériaux! Nous, champignons! Qu'est-ce que... Putain, alors toi mon gars! Tiens! Chira! Oh! Ah merde! Je reste ici, tu devrais y aller. Non, nous les combattrons ensemble. Tu te fais avoir facilement. Mais malgré tout, tu ne manques pas de charisme. Tu sais quoi? J'aurais jamais cru que je mourrais aux côtés d'une Anglaise. Maintenant, allons-y.